rester toujours branché sur Nasport TV. Et pas Yemoko, Narcisse Kalambe, Longaba Bébé. Hein? Anina Ranaete, Longaba Bébé. Donc, Azala, Rera, pour ma cambo qui n'aura bien. Narcisse Kalambe. Nasport TV. Salut à tous, bienvenue dans notre émission Nas Show sur Nasport TV. Aujourd'hui, on a un réel plaisir de recevoir sur notre plateau le célèbre journaliste Adil Ondolé, beau comme un dieu. Alors, c'est un réel plaisir pour nous parce que je ne serai pas toute seule, je serai avec ma consoeur Fleur de Lys. On va présenter notre invité. Donc, je laisse la parole à ma consoeur et ensuite on va continuer. Bonsoir Fleur de Lys. Bonsoir Megalove, enchantée. Là. Bah, en tout cas, moi je préfère l'appeler Adi Londolé. Sans plus tarder, voici notre invité Adi Londolé. Bonsoir Adi. Bonsoir Megal. Bonsoir Fifi Fleur de Lys. Ça va, tu vas bien? Très bien. Bon, je ne sais pas ce qui m'attend avec vous deux. On va faire avec. C'est comment? T'aimes ici là? Ici là, Kala. Donc voilà, on va commencer directement. Hein. On va commencer. Adi, on dit de toi que tu es. Je t'écoute un peu. Hein. On aimerait quand même savoir quelles sont ses impressions. C'est la première fois qui vient au studio de Nasport TV. Vas-y. Hein, et on aimerait quand même savoir avec l'impression de les années. Et on va passer cette émission en français et en lingala. Pour ça, la moi bien. Non, c'est bon. Malongombo, Kayo. Non, je dis bravo à Narcisse, un très bon plateau. En plus, ils ont vraiment mon aîné. Ils en ont moi Kota Café. On peut faire de semi-live, de semi-acoustique. Je dis bravo, il faut continuer comme ça, il faut persévérer. Parce que bon, il ne faut pas faire attention au crabe, parce que crabe, qui s'abat tout vers le bas. Torse bombé, la tête haute, vas-y, fonce, on y va. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci. Adi, on dit de toi que tu utilises la télé pour séduire les femmes. Est-ce que c'est vrai? Ouh. Oui et non. Explique. Oui et non, parce que moi, je ne viens pas à la télé pour séduire les femmes. Je pense, attends, comment tu vois séduire les femmes à la télé? Parce que tu te surnommes. Il s'est vante. Voilà, tu te fais des éloges, beau comme un dieu, l'éternel masculin, de tout ceci, cela. Je constate aussi, hein, c'est pas faux, hein, ce Fleur de Lys. Bon, comme un jeu, on peut dire aussi que c'est vrai. En tout cas, moi, j'affirme pas. J'affirme pas parce que j'ai jamais vu un dieu. Ok. Voilà. Alors, chers amis, vous remarquerez une chose, que je suis agressé. Non, sens-toi à l'aise. Hein. Sens-toi à l'aise. En tout cas, moi, j'estime on peut l'agresser. Sens-toi à l'aise, tu peux. Alors, je vais dire ceci. Je n'utilise jamais la télévision pour séduire les femmes parce que vous êtes censé savoir que je dois avoir quand même une personne à la maison. Je dis oui et non. Non, pourquoi? Parce que quand je viens à la télé, vous savez, nous arrivons dans des familles, les gens nous regardent, on vient chez eux. Je pense que la moindre de choses, il faut être présentable. Être présentable, ça dit être propre. Être soigneux, c'est toute une éducation. Je me dis, les gens vont me regarder chez eux, je les agresse d'ailleurs. Je me dis, je vais être présentable. Si le fait d'être présentable, c'est une séduction, je me pose des questions. Mais tant mieux. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est le travail, c'est que le travail. Adi de Londoleto, c'est Pelli, la réponse au PC Bisso. J'espère que l'Indiana sorti vie. Il y a CNN News, puis il y a qui réponse d'ailleurs. Adi de Londoleto, c'est Pelli. Dernièrement, je ne sais pas ce qui est confrère ou combattant, dernièrement, ça fait au moins, je pense, 2 ou 3 ans comme ça, agressé à Kayo. Au même qui m'a ramené, Milaï, tout le monde a fait suite. Est-ce que dans mon coup, ce que vous avez fait suite, dans les gars derniers? Oui, c'est vrai. Les combattants, dont je suis un combattant déjà de première heure. Oui, il s'est passé, j'ai été agressé par un combattant, pas les combattants. J'ai été agressé par un combattant parce qu'ils n'ont pas supporté le fait que j'aille faire un reportage de 50 ans de l'indépendance à l'ambassade. C'est le combattant, quand on a commencé avec eux, tout le nom que tu peux prendre au pif, tout le nom que tu connais, le grand nom, quand je dis le grand nom, les noms qui sont connus, toutes ces personnes-là,
Ils sont passés devant ma caméra, je les ai posé des questions, j'ai tendu mon micro. Je leur ai tendu mon micro pour mon abonnement de Bazalakiwana. Après, pour eux, je devenais leur propriété privée. Donc, je devais être qu'avec eux, je ne pouvais pas faire avec les autres. Quand je suis parti couvrir l'événement à l'ambassade, cinquantenaire, il y a 50 ans d'indépendance d'Abisso, ils n'étaient pas d'accord. Et puis, l'un des combattants m'a agressé à Bétan, dit Mounamoutou, dans Zoka, 12 points de suture. Après, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, son APMI, nous, après, entre guillemets, Talramoubali, au Bétine, était pour suivre nous. Comprenez si vous pouvez comprendre. J'ai porté plainte, comme tout le monde, j'ai porté plainte parce que j'étais agressé. Le Bimbi, là, c'est comme un éléphant, il n'oublie pas. Alain de la Makamouné, Malembe, Malembe, tout le monde a dans la télévision, mon amour, il y a 3 ans, 10 ans, Bakangi. Tilo Makamouné, la justice. C'est vrai qu'après ça, j'ai eu pas mal d'agressions aussi par les combattants qui n'avaient pas compris. À un moment donné, il y a une interdiction à Coco, à Château Rouge. Château Rouge, c'est en France. Hein? Non, au Comazo Château Rouge, c'est. Nakoma, Makamo, Eleka, et puis bon, voilà quoi. Ce sont mes frères en fait. Ce sont mes frères de âmes, ce sont mes frères de cœur. En tout cas, on est vraiment ensemble. Et ça, Makamo, ils ont un à l'état. Mais ça, pour nous combattre, ils ont pour nous moto agressant. Pour nous combattre. Donc, on a apaisé la situation en gros, et puis la saison est normale. Non, nous avons un combattant. C'est nous un combattant. Nous combattant. N'apporta plainte contre ma combattante. N'apporta plainte contre Moutouana agressé en Mali. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez équipé Moutouana. Oui, Naibi, c'est. Ah, petit Nangaï, Naibi. Merci. Attendez. Adi Lundolé, aujourd'hui, maître de cérémonie dans des événements, on te voit partout. Adi Lundolé, tu animes. Des cérémonies, de fêtes, de mariages, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tu n'arrives plus à vivre de ton métier de journaliste et tu as voulu faire autre chose de côté? Vous devez savoir que mettre les cérémonies, c'est un service noble, mm-hmm. que les gens peut-être sous-estiment. Et ça, c'est un service noble. Pour la petite histoire, moi, quand je suis venu ici, contrairement à la Bino, hein, parce que Bino TV, football, on l'a dit, là-bas, au film, on va Nicolo. Moi, quand je suis venu ici, je réponds quand même. Je ne suis pas d'accord. Après, tu vas réagir. Ok, je ne suis pas d'accord. Contrairement à la Bino, hein, Bino Kaofinga, mais Moussa l'a tout le monde monté. Alors, moi, quand je suis venu, j'ai trouvé le Rouf Mboutanganga, le Lilo Miango, le Patrick Amanga, le Jean-Marie Kassamba, Naé Awa. Alors, vieux Rouf, il ramenait à Bandoyana Sono, Sokache Sono, la musique jouée, et puis il donnait de moments, on va manger, on va danser et tout. Moi, j'ai vu le vieux le faire. J'ai vu Rouf Mboutanga le faire, Koulou, toi qui je fais un coucou. Après, j'ai dit, bon, on peut faire autre chose aussi. On peut, Toko, rajouter moi, touche mon robot. On a rajouté touche, mettre des cérémonies. C'est-à-dire, si on a une fête, anniversaire, non, en tout cas, fête, je prends tout dans contrôle. Cuisine, bar, sécurité, protocole, musique, tout, et y'a pas nanga. Donc, je gère tout. Service à protocole, tout me revient. Pourquoi je dis un service noble? Tu te rends compte, Moutokola, Didier Mbondoazo Bala, Abimisi Mbongue Bele, Apecio Confiance, Alobi, c'est toi, au gérer fête Nana. Et ça, Moussa, la monko noble. Ce n'est pas mettre des cérémonies, ça, Moutouté, Fabo Rabama Banga. De temps en temps, on dédicace peut-être un moment cadeau pour nous inciter à faire un cadeau. Moment Yakobina pour nous retirer l'ambiance. Le but de mettre des cérémonies, ce n'est pas d'écouter un combo à bateau. C'est pas ça le but. Non, c'est pas le rôle. Donc je le fais parce que j'aime le faire et d'ailleurs, je le fais bien. C'est vrai que c'est salé, on me paye quand même une facture, mais c'est un travail noble. Mais malheureusement, Karabino Ndebouye, bon, voilà quoi. Voilà. Bozalango, bien t'es. Alors moi pour ma part j'ai pas encore vu hein, peut-être Fleur de Lys, j'ai pas encore vu une fille, une femme faire maîtresse de cérémonie. Pour ma part j'ai pas encore vu ça, je sais pas moi non Fleur plus. De Lys, non. Je sais pas, moi j'ai pas encore vu, je t'ai posé parce que je vois c'est plus des hommes qui le font. En plus normalement faut brûler la gala. Nandini. Nandini le copte. Copni. Balwa copte.
Non. Nous voulons copte. Copte ni là. Copte. Copte ni là. On ne comprend pas. C'est une ligne de fer. Donc voilà, voilà, on poursuit l'émission, c'est l'ambiance, voilà, hein, les célèbres journalistes. Mm-hmm. Il n'a pas la langue dans sa poche, donc on continue. Nous non plus. Hein. Donc voilà. Alors, la nouvelle génération des animateurs, chroniqueurs, journalistes. Est-ce que vous êtes jaloux, Bino, ben anciens, les anciens du game, nous les meufs d'ici on dit comme ça, les anciens du game. Est-ce que Boza jaloux Nabamon, la nouvelle vague? Je suis, je ne peux pas être jaloux. J'ai pitié en fait. Pourquoi pitié? J'ai pitié de vous parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas, vous voulez même pas apprendre. Vous ça dit vous n'avez rien, vous n'avez pas les références. Aujourd'hui, Adi Londoé, tu viens d'où? Je vais te citer Doma Kobo, qui est spécialiste en publicité et communication. Moi, j'ai un modèle, moi. Je termine, c'est ma question. Vas-y. Je te parlais de Lukunku Sampou, mm-hmm. de Lukezo. Je parlais de. Je suis resté auprès de vieux Lukunku Sampou. Je suis resté auprès de Charlie Lumande, qui m'a formé de la RTNC. Mm-hmm. Mais Bino, Karat et Peli Pan, na mini tioyo, ezakutubu, vous n'avez rien. Ça dit qu'il est aussi là. Nakotiote a dit, mais il faut pas généraliser, tu le sais. Bah le bagarre en général. Non, moi je suis pas d'accord parce que nous avons vraiment un modèle. Moi j'ai un exemple, j'ai un modèle. Narcisse Kalamba, full boss, vraiment des salutations. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Mais moi j'ai mon modèle, Élisée Bilonda Kasonga. C'est vraiment une grande sœur qui me conseille, qui me donne pas mal de conseils. Moi j'ai un modèle. Bah oui, dans mon salon. Merci beaucoup. Moi j'ai un modèle. Quand tu généralises, au moins on te kezab bien tes pauvres, tu me souspectes basali, ça la ressemble bien. Comme Pichu Mangaya, mes salutations. Vraiment une grande sœur aussi. Ah ça la moussala n'est bien. Mais qu'on mélange l'influence, on ne sait pas. C'est Mégane, pas comme ça. Mégane, c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous devez savoir que c'est un métier noble. Si vous n'étiez pas à l'école, apprenez au moins, ayez au moins une formation, écoutez au moins les anciens, regardez au moins les anciens, pour que vous ayez quelque chose. Parce que tu estimes que la nouvelle génération, non, qu'est-ce que vous avez ramené? Vous avez ramené, vous nous ramenez la végétariat. Tu t'habilles bien, tu passes à la télé, qu'on voit tes vêtements, on voit vos parties de corps, vous voulez être des stars en fait. Mais le travail en soi, vous ne faites pas le travail. Vous passez le temps à chercher à comment vous habiller qu'à venir avec une fiche de questions ou d'introduction, ça vous n'avez pas. Voilà, cher confrère, pas la première fois, il est dit, à chaque fois il passe à la télé, il le dit, il le revendique. Voilà, toi, comme on dit aux amateurs, vraiment, on a revenir, je ne vois pas Narozala. Pourquoi je vais jalouser? Je vois pas quelqu'un, je vais jalouser. Vous n'innovez pas, c'est quoi? Tu prends le micro, tu tends le micro. C'est tout ce que vous faites. Vous n'avez pas, vous ne ramenez pas de nouvelles émissions, de nouvelles concepts. Vous n'innovez pas. Les célèbres journalistes, Netio, ils ont innové, à part qu'ils ont la maître cérémonie. Non, ça c'est autre chose, maître cérémonie. Voilà. Vous avez la casquette et belle. La minute, vous avez quoi, Netio, journaliste? Voilà, j'ai fait par exemple. Hormis les émissions que je fais habituellement, j'ai fait par exemple Dîner chez Adi, une très bonne conception. J'ai fait Bisotou. Bisotou avec Papa Rose, Zouama bien. Voilà, Mouchachalado de la Favelas, quoi. La police de la presse. Voilà. Ramenez-nous de conception. Vous ne nous ramenez pas de conception. Vous n'innovez pas. La personne qui a des exemples, on a mais beaucoup des émissions, au moins, comment on a fait ça, Batoubassal. C'est pas important, on a les lots. Modestie, humilité oblige. Ok, les célèbres, est-ce que tu penses que dans le métier où il y a journalisme, est-ce qu'il y a, une retraite? Est-ce qu'il y a un âge que âge où il y a un coquille, s'il y a un salaire comme on voit dans des autres métiers? Waouh!
Alors, je dirais pas que quelqu'un qui dit qu'un journaliste doit aller en retraite, je ne dis pas qu'il est fou, il est pas, je ne dis pas ça. Mm-hmm. Mais je dis simplement, peut-être qu'il est ignorant, parce que la Bible dit, mon peuple parie par faux de connaissances. Mm-hmm. Philippe Bouvard, c'est ça, non? Ouais. Philippe, voilà, c'est ça. Ok, Philippe Bouvard. Voilà, je prends un exemple. Philippe Bouvard, il a quel âge? Un présentateur, un journaliste, aussi longtemps qu'il aura la voix. Mm-hmm. À moins que lui, de lui-même, dit voilà, j'arrête, je mets des côtés. Mais aussi longtemps qu'il aura la voix, il peut toujours le faire. Mm-hmm. C'est pas comme un footballeur, il s'arrête à quoi? À 30 ans ou, voilà, c'est pas ça. C'est comme un musicien. Un musicien, il peut aller jusqu'à ce qu'il peut encore gratter sa guitare, jusqu'à ce qu'il peut donner sa voix, il va chanter. Ceux qui disent ça, malheureusement, peut-être bah, éviter. Mais c'est important, boyer, bisa vraiment qu'ils aient la bonne côté. Voilà, bien sûr. Voilà, tout ce qu'on va faire l'émission de la Bissot. Donc, ma question est la Bissot, ma réponse est la Bissot. Adil Ondolé. Adil Ondolé, on a repointé plus dans le point où la société est reprochée au Mingi. Dernièrement, autour de la vidéo, tout le monde a vu presque. Bon, sur les possibilités, c'est tout à l'extrait, voilà.
Question à la Ezaboué. Au moment où il est aussi lié, au kiting, il est tout, il est moi, buzz, ou façon, je suis la pub, il est passé par Naba acte, tandis que il est modèle, il est belé. Si vous avez un loco, vous avez un peu de temps. Pourquoi vous pensez que les Canadiens ont dit et ont critiqué plutôt, voire même ont salé l'eau, et monsieur Bélé Bélé pour la refaire. Jusque là, tu n'as pas réagi. Donc, on dit ma garon. Merci pour la question. Tu sais, Georges Clooney a salé plus tard à café. C'est une... Je dis merci déjà, le Milan Lazar Mandel. C'est un compliment pour moi que je prends. Je suis acteur comédien aussi. Je fais des films. Je me suis présenté dans de telles tenues depuis la nuit des temps. J'étais dans Les Immigrés qui passaient sur TV5 Monde, sur Télésud. Je suis un acteur comédien. Ces gens-là, ils avaient un produit qui s'appelle Maxi Bien-être, qui aide les hommes qui ne sont pas... Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça aide un peu les hommes qui ont des problèmes pour la performance. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et aussi, ça aide tous les gens qui sont des diabétiques. Pour notre taux à sucre, on a besoin de quitta, bah on a besoin de traitement là. Aussi, les gens qui ont, nous qui faisons les moussala makassi, par exemple, chef d'entreprise Santo du Jura, Moussa Salagana, Didier Mbondo, ils ont besoin de ça pour la force. Ils ont contacté un acteur comédien qui s'appelle Adi Londoula avec le cachet qu'il fallait. Pendant ce temps, tu n'étais pas le célèbre journaliste, tu étais le comédien ou acteur. Et là, j'ai joué un rôle, m'a donné un rôle. Et quand on vous donne un rôle, il y a un scénariste qui vous donne l'expression de visage. On vous dit, voilà comment tu dois te comporter. J'ai joué un rôle. Et mon rôle a été excellemment très bien joué, j'insiste. Après, il y a eu du boira, les gens ils ont dit ce qu'ils ont dit. Je le comprends. Je dis, peut-être que c'est la première fois que vous me voyez comme ça. Mais simplement, quand les gens disent qu'Adi a fait un film pour nous, est-ce qu'ils sont bêtes? C'est un porno soft. Est-ce que ça, c'est un porno d'abord? À l'africaine, ça ne se fait pas. Bah, mais pour le on est des bantous. Bon. T'as la soirée, vous êtes des bantous. Ma père, on est des bantous. C'est là, critique. Ouais, bah, tout. Moi, je parle. Vous avez la carte, c'est critique, on a tout. Non, moi, je parle au nom des autres. Okay. Moi, personnellement. Netio, le nom de ma belle carte, Netio. Netinga, mais nous ramabé, dans mon acquis, bon, je ne sais pas, moi. Le fait, il y a. Peut-être, bah, j'ai ce beau là qui. Mais c'est ça le rôle. C'est ça le rôle, oui. Mais aux modèles à battre belé. Naïba Guita, merci. Aux modèles à battre belé, tant qu'Africain. Au moins, il y a eu ça, mais jamais dans un modèle. Tant qu'à pleurer, aux modèles. Aux modèles. Aux modèles. Mais. Même, on va critiquer qui, on va critiquer qui, hein. Oh, Bazaba, non, mais. Non, on continue à travailler. Ok, voilà. On continue toujours à poursuivre notre émission sur le plateau des Nasfort TV en direct. Voilà. Alors, moi, j'insiste beaucoup plus sur la nouvelle génération parce que j'en fais partie. Si on te demandait de faire une sélection, on va dire vraiment Adi Londole Ibenge Koche, hein, dans la nouvelle génération des animateurs, animatrices, chroniqueurs, tout ce que tu veux. Au sein de la sélection, est-ce qu'au contraire, il y a un peu de sélectionné? Oui, c'est... Oh là là, purée, qu'est-ce que c'est facile. Je commençais par citer Ingrid Kabongo. La sainte. Et j'arrêterai par Ingrid Kabongo. J'ai tout dit. Donc, quand Moutana Moro qui défend la presse, je commence par Ingrid Kabongo. La sainte, je termine par Ingrid Kabongo. Pourquoi les gens qui m'ont dit, pourquoi? Parce que mon format Ingrid, donc, ton sous, donc, au moins, on a pas encore... Proposez-moi mieux. Proposez mieux. Et aux gens et le gens qui nous regardent, trouvez mieux, simplement. Donc, c'est ta réponse. On peut rien dire. Moi, j'appuie pas parce que nous aussi, on fait mieux. Il y a pas. Faut pas créer des polémiques. On a polémique. On nous crée polémique à Dinondolé. Balobé, ça la sélection. Tu peux pas seulement se limiter car elle a Ingrid Kabongo. J'ai pas de problème avec elle, mais Yosko Nongolo qui a problème. Il y a pas qu'elle. Je veux dire quoi? Au moins une crise. Nabasi Bazali. Nami Bali, puis Bazali. Je suis conscient de ce que je dis. Tant que Megan a tout une question,
des listes dans le binabino. Je commence par Ingrid, je termine par Ingrid. C'est-à-dire quoi? Le message, c'est pour dire que au tout bozo monde en a, ils ont zéro. Donc, on a la crise et équipe. Donc, équipe nationale, on est au format où ils ont été. Pour tout bozo monde en a, botal rabino. Ok. Je dis, je le. Narcisse, je ne sais pas si on doit comprendre, c'est comme ça. C'est-à-dire que toi, la crise. On a autant à monter. Je ne parle pas de Papa Rolls, je ne parle pas de Roger Moussangi, de Kerun Maïs. Non, non, on a battu, on a, ça n'a rien à voir. On a battu pour Nabino. Donc, on a battu. On a battu un bali. Faites mieux ou faites quoi? Faites rien. Ok, voilà, c'était le défi est lancé. Hein. Voilà, c'était le défi est lancé. Ah, Nasfor TV, on est là, mais moi, je ne suis pas sûre que Ingrid Kabongo peut. Il y a déjà combien d'années déjà? Moi? Namakambo. Nazalo Nandé. 4 ans déjà? Peut-être. Mais l'OBA, c'est combien? Une année. Il n'y a pas moi. Seulement. Au sein de Jani. Au sein de Jani. Kende na nasfortv.com au moins la brame d'Azali. Tu nous saignes à Bikende. Vas-y, va là-bas. Et ça, tout le monde a dit à Bikende. Répondez à ce que nous dit Ingrid Kabongo. Voilà. Nga l'orgue mon Ingrid Kabongo. Je ne sais même pas où elle vit. C'est sur le net que j'ai la trouve. Au Talaray. Bien sûr. Au Monaray. Bien sûr. Au Talaray. Oui. Au Monaray. Mais je ne peux pas dire que c'est mon arabe. Kokatanga été. Voilà. Donc le défi est lancé. Ingrid Kabongo, on t'apprécie beaucoup, particulièrement moi. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je te dis. Mais ça, t'es pas un moulouba. Moi, je suis pas moulouba. Ah non. Pour les amoureux, non, pour la. Voilà. Kolanano a dit l'ondolote. Adotia, bah, l'okuta, la bamungwa, les aratina. Voilà. À propos de la presse, ils sont en France. En France, on a besoin. Tellement ébellé, mieux qu'ici en Suisse. Tout le monde a un reportage, un match, na France 2, tout ça. Jamais, 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 tout le monde a pu tant que ce soit Ingrid Kabongo. Ou bien tout le monde a un reportage, je suis Charlie, je suis le cas ébellé en France. Oh, ça n'a rien à voir avec les Congolais. La presse étrangère, vous êtes absent. Et quand, disons, les Congolais sont absents dans la presse internationale. Dans la presse internationale, on ne voit jamais des Congolais. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? C'est quoi? Oui, la question. Vous comprenez la question dans le mot? Je comprends. Ah. Je comprends, c'est la Mandela. Ce qu'on aime sur le mot. Oui. Nous sommes présents. Tu vois, quand on dit, quand nous faisons notre télé là, ces secteurs, les réseaux sociaux. Les gens qui nous suivent, ce sont des gens qui parlent lingala, ce sont les gens qui veulent savoir ce qui se passe chez nous dans la communauté congolaise. Je suis Charlie, avec une marche. Mais pour voir, je suis Charlie, tu ne viendras pas chez Congo numéro 1 pour voir ça. À la télé, comme ça, sur ITL, BFM, tu as l'information. Mais ce qui se passe chez nous, pour le voir, ce n'est que ça se passe que chez nous. Pourquoi? Je viens de le dire. Mais la presse internationale doit aussi savoir qu'est-ce que nous on fait. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. Ou bien ce que nous on fait, ça ne les intéresse pas. Ou ce qu'eux ils font, ça ne nous intéresse pas. Moi j'ai dit ceci. Il y a eu marche, je suis Charlie. J'étais dedans. Tu étais dedans. Mais pourquoi tu n'as pas fait le reportage? Je n'ai pas fait. Roger Moussange a fait. Est-ce que tu as regardé? Je te donne un exemple. En général, moi je parle aussi justement, en général. Maman, ta question elle est très bonne. Oui. Mais simplement, la question, nous allons répondre à Batou et Bélé. Roger Moussan, j'étais là. Il m'a dit, vieux, en fait, moi je dis, Roger, fais ça, le Congo ne vont pas te regarder. Ils vont regarder sur BFM TV, ils vont aller sur iTélé pour savoir ce qui se passe en France. Ils ne viennent pas chez nous. Pour savoir ce qui se passe dans notre communauté, ils ne vont pas sur BFM, ils viennent chez nous pour savoir ce qui se passe. Simplement, nous sommes là, mais le Congolais, ils viennent chez nous pour savoir ce qui se passe chez nous. Le lobo a mis dans un comment il s'appelle, Imbondo à Bali, fête à Imbondo. Brutal, on n'a pas de réseau à Bissau. Nasfor TV, Brutal, Bloco, tout Bolingi, Congolais, Batal à Bissau. Simplement, donc au niveau international aux amis, je donne un exemple. Nous sommes partis chez TF1, j'avais Ado Yue, Roger Moussangi, Mireille Aouchaï, Daima Bango, tout le monde à TF1. Tu visites TF1 au monde avant. Qui tu en as, ma fanda, tu fanda qui tu en as. Pour un journal de 25 minutes, il y a 120 personnes. 120 personnes pour le journal télé que vous voyez là. Nous sommes partis là-bas. Baï Bibiso. Bah, tout n'aime sur ma question. Oh, tu as une réponse. Tu as travaillé, tu as continué de travailler.
vraiment toujours travailler. Les gens dans le monde, on a salicite. Na salicite. Ok, salicite. Adieu, salicite pour Nengabino. Pour l'instant, nous sommes présentateurs, journalistes. Le jour que je serai un homme d'affaires, voilà, je vais créer mon site en tant qu'un homme d'affaires pour me faire de l'argent. Je deviens un PDG, j'investis pour quelque chose pour gagner de l'argent. Pour l'instant, les gens qui créent des sites, voilà quoi, je ne sais pas combien ils gagnent, mais bon. En parlant de site, Adi, si tu étais un patron d'un site comme on voit Congo Number One, Abibali Pordo, que je salue. Down, oui. Si tu étais un patron d'un site pour recruter les journalistes et tout ça, ça sera quoi tes critères de... Ça sera un peu difficile à expliquer, mais je donne l'exemple d'Abibali Pordo. Abibali Pordo, c'est un homme d'affaires. Mmh. Il tient déjà une société d'échafaudage, à part que c'est un artiste et un musicien. Mmh. Il investit dans une affaire. Alors aujourd'hui, les gens qui créent des sites, ils créent des sites pour qu'on parle de Bengaye PDG, Bengaye Azana site. Mais ce n'est pas un homme d'affaires. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à payer les gens qui travaillent pour eux. La plupart, c'est prostituées. Le jour que j'aurai assez d'argent, je créerai une affaire ou bien une chaîne de télévision en tant qu'un homme d'affaires où j'investis. Le site, c'est rien. J'ai mon site. Quand tu tapes Adi Loba, c'est quoi d'abord un site? Le site c'est quoi? Nido Azana site naï, Nessa Azana site naï, Adidas Azana site. Site, il y a un peu de site naï. Ça dit, bah, nouvelle naïo, aux possédants. Ça, c'est rien du tout. Mais les gens pensent que ça crée site comme PDG. PDG. Et ça, c'est le gars la coin. C'est le gars qui a un gouba. Maman gouba, ça PDG n'a un gouba naï. Ander Mona Sozakom, Ander Mona Marsavko, c'est à vous de voir. Nous savons aussi que tu formes les chroniqueurs, les chroniqueuses. Est-ce qu'on peut s'attendre au prochain jour d'une école, que tu ouvres une école à Adi pour former vraiment dans les bonnes normes? Je pense que je ne suis pas encore prêt vraiment à former et à remettre un diplôme, mais je pense que j'arrive à conseiller les jeunes filles comme garçons qui veulent bien m'écouter par rapport à l'expérience que j'ai. T'en fais pas, je n'ai pas le nec le plus ultra, je ne suis pas le nec le plus ultra et je ne possède pas la science infuse. Mais par expérience, je sais comment dire aux gens, comment tenir les micros, comment faire une introduction, comment présenter l'émission. Ça joue quand même. Je leur donne des techniques, des astuces. Voilà. Mm-hmm. Je pense que c'est très important d'écouter. Il n'y a pas que moi. Nous avons de Ilunga Monabute, nous avons de Rufumbutanganga, mm-hmm. nous avons de... Il y a de nos anciens là, il faut les consulter. Mm-hmm. Bon, après, souvent, on va Mike, qui pourra et qui met toujours. Moi, je peux faire une émission à Bengi. Maïta, moi, dans l'émission, moi, on s'en dit. On demande conseil. Mais bino, ce cas, vous avez une émission, ou bien non, vous avez la souki, ou bien non, vous avez la bilamba, ou bien t'as la liste à ma bande. Bande émission, après, c'est nul. Ouais. Voilà, il faut corriger ça vraiment, parce que quand les aînés nous donnent des conseils, ils nous voient, ils nous regardent. Vraiment, très chers consoeurs, confrères, essayons un peu de corriger ça. Innovons. Voilà, ceux qui l'ont, c'est un mot difficile. To bandara malim malim be to boya la batele bolo ba obo mon na ba velour ba blo mon abomo, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Alors Adi, j'ai encore une dernière question, après je laisse à ma consoeur. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Congo Number One? Waouh, je dirais plus de 5 ans, je sais pas, 7 ans, plus de 5 ans, je crois. Et tu as une forte responsabilité là-bas. Tu gères quoi? Tu es juste un simple journaliste ou tu as des autres responsabilités dans le site? Congo Number One, le patron numéro 1, le patron, le Mukonzi de Congo Number One, il s'appelle Abibali Pordo. Down, comme on a l'habitude d'appeler. Moi, je suis un partenaire. Je travaille avec eux. Moi, c'est la marque Adi Loba. Ça fait au moins plus de 5 ans que je travaille avec Abel Pordo, qui m'a confié la responsabilité d'être chef, le directeur de Congo Number One. Il m'a donné sa confiance et depuis là, jusqu'à là, je gère. Ça se passe bien et de son côté, lui aussi, je lui fais confiance. C'est-à-dire animateur, présentateur, présentatrice pour présenter sur Congo Number One, ça passe par moi. Okay. Je regardais très bien, dans Congo Number One, on a osé le monter, voir. Sans prétention aucune d'ailleurs. D'accord. Donc j'ai une responsabilité. Voilà, on est très ravis. On aimerait encore savoir, Adi Lontolé, pourquoi avoir choisi Nas Fortifi?
Nasfor TV, je suis venu chez mon frère Narcisse. Tu sais pourquoi je dis, voilà qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Mm-hmm. Mais avec lui, on peut, vous savez, on a un problème. La presse, le média est malade. On vous a injecté virus Moroboué, produit Moroboué, Ezo Baby sa presse. Quand j'ai vu qu'il a créé ça, je suis venu pour dire, attention, Zo vaccin, oh, virus, on a mis côte à la presse, na OOT. Voilà pourquoi attachement n'a pas naï. J'allais bateau pour les gars, na Nasfor TV, basala na bon somi, basala na excellence, même pas trop, mais ne fût-ce que moi, wana. Et ça, nous sommes noble. Attends, le média, mais attendez, nous sommes une force. Mm-hmm. Mais vous arrivez comme ça à prostituer ça, à vilipender ça. Je suis désolé. Quand je vois un frère comme ça qui fait quelque chose de grandiose, je viens et dis, écoute mon grand, voilà comment ça se passe. Bah, il a mis pende, au moins, il a mis pende. Bah, au moins, il a mis pende. Salé, il a mis pende. Mais il a mis pende. Voilà. Pour dire que ça. Merci beaucoup. Tokomi, presque na souka monsieur Labisso. Moi j'avais une dernière question, voilà, parce que voilà, on arrive à la fin, j'avais une dernière question pour ma part, après je sais pas toi. Quel conseil tu pourras donner à la nouvelle génération effectivement? Faites comme moi. C'est-à-dire? Écoutez, apprenez, continuez à écouter et continuez à apprendre. Talato yoka. Ebi boye baka musala. Musaka musala bien. Au moni, vous avez mis ça au naba héros. Vous avez mis ça au naba pourquoi? Pourquoi vous avez mis ça au naba ya le coup mouboué? Ah, ma journaliste, mais pourquoi vous avez mis ça au naba pour que vous avez mis ça au naba pour que vous conseil, boyo kaka. Boyo kaka. Et puis boyo kola kaka. Pour que vous avez mis ça au conseil, c'est ça. Conseil gratuit a dit loba à lobby. À lobby, toyoka. Toyoka. Et l'autre, le Kikoyoka, Ezate. Moi, je propose qu'on fasse une courte pause. Après, on va revenir. Amen. 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 Am
Amen. J'ai toujours dit mon Dieu est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Pasteur, et dis-moi, yé, abouti, yé, pasteur, là. Amen. Il y a encore une femme. Et là, la moitié de ce soir. Avec la manière pissée. Amen. Déjà, blaster. Quelqu'un peut dire. Tout le monde a voulu acheter. Ce que Dieu a fait, on ne doit pas prendre ça. Cette femme avec la maladie. Je ne sais même pas comment je dois appeler ça en français. Mais elle dit le réglage va venir dans la fin, je ne sais pas. Mais cette femme. Parce que moi, si on est appelé devant tout le monde. Ça vient laquelle il vaut son avis. Nous avons déclaré. Ton sang sur la vie. Vas-y dans 5 jours. Ça vient de quitter la vie. Alléluia. Elle est allée. Premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième. Et au coup, il m'a dit, va t'y dire qu'il y a. Alléluia. Mais parce qu'elle a confiance, elle va passer. Elle a fait la foi. Les amis. Et lis-moi, cinquième jour, et lis-moi une autre. C'est disparu. Voici en passant. Allez, allez, bonsoir. Si cette dame est au milieu de nous. Attends. Cet homme de Dieu que j'appelle le voyant de l'Éternel. Nous sommes allés chez lui. Nous nous sommes enfermés chez lui. Et c'était dans sa chambre haute. Nous avons invoqué le Dieu. Le Dieu des jumeaux, comme on l'appelle. On t'a pas pika qui est. On va te faire un témoignage. Nous acclamons pour le Seigneur, non? Vas-y, la cancer. Pour la raconte de ce là, elle va commencer. Fais ça, on va le dire. Fais ça, les gens. Allez, fais ça, les gens. Amen. Café. Bon, maintenant, la sortie. T'as l'air que ça va piquer ça. Quelqu'un peut dire Amen. Et les médecins ont certifié, papa, n'a pas ça. Non, non. Le médecin lui avait donné même 3 mois pour vivre. Donc, elle était censée décéder février 2007. Elle était censée mourir février 2007 avec un certificat d'essai. Mais comme je vous ai dit, le Dieu des jumeaux encore travaille. Il a fait de grandes choses dans ma famille. Et je bénis ce Dieu-là chaque jour. Elle est là, vous la voyez. C'était un cancer, mais regardez ce qu'elle est. Que Dieu soit loué seulement, que Dieu soit loué. Merci. Ok, vous allez là-bas, là, ça va, il n'y a pas de problème. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Et là, la ressource. Adak la hernie, Babé m'a revenu. Il va passer l'opération. Il y a ce qu'on a dit, talon, t'es moyen. Pour voir les gens à talon. Quelqu'un peut dire Amen. Un jour, nous avons prié. Elle devait se faire opérer, n'est-ce pas? Mais par la grâce du Seigneur. Amen. Ça va faire disparaître cette maladie. Pas ici, devant. Voilà. Donc, à un moment donné, talon. Amen. 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 Dieu te bénisse. Il y a encore une seule. Un jour, alors qu'on priait le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de le dire ceci, qu'elle va avoir 3 problèmes. Bah, elle a cancer. Cancer. Problème à Missou. Et puis, il aura des problèmes pour concevoir. Il est allé voir le médecin. Et le médecin lui dit, écoute, tu as le même problème, tu vois. Juste d'avoir un cancer, et toi tu ne peux pas concevoir. Quelqu'un peut dire Amen. Elle est venue en pleurant à l'église. Voilà. La moine à l'aïe. Azur Malé, vous n'avez qu'été.
Makamo Ibrahim Yamouni. Quelqu'un peut dire Amen. 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 C'est le meilleur. Il va venir dire mon Dieu, il est pour ça. Invité, pas pour qu'il le mette. Amen. Au moins, elle est vie. Bon, on t'a posé un problème, nous avons tout mis en main. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a tellement de témoignages dans cette église. Ma tasse au lit est venue. La bosse est venue. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi je voulais vous dire que Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Jésus-là? Amen. Amen. Cancer, diabète. Hein, voilà. Voilà, ah, mon Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce que ça? Talon, l'âge, cancer, cancer, PC. Et qu'est-ce que ça? Kobota. Voilà, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ne pas venir chez Jésus? Pourquoi ne pas glorifier ces dieux-là? Il y a son regard, tu as un bon dimanche. Bon dimanche, tu as un bon dimanche, tu as un bon dimanche. Son mental, il y a un bon dimanche, tu as un bon Merci la régie pour cette courte page de pub. Tuzungeli, le célèbre Adi Londolé. Et ça, on est ni ni temps, va benga, va combo à la nyoso. On m'y pèse ça. Tout ça, on a mon pas au mon condi. À chaque fois, l'équipe va bambeler au combo d'imiao. Aux ongi, vous pèsez au temps, vous pèsez à la combo. Et ça, alors, combien de combo tu vas? À part à dire l'ondolé. Tout ce que. Bah, combo, nous sommes tous à pèsez à Wana. Ils ont un message, ils ont la signification d'en haut. Quand je dis l'éternel masculin. Non, qui m'a bali à l'ibé. C'est-à-dire qu'il y a un bali, un petit gars, un bali, un couf à mon bali. Oui. Je donnais un message. Donc, on a eu un moment où on a eu quand on a lobby le célèbre journaliste, ce Zongi et le Konalobaga et le Kouana, il est là, on a eu un moment où on a eu pepe yaki. Bino a eu un pepe na bino, biso zo on a eu un célèbre. Na lobaki un moment où on a eu un moment wana. Pona Moussala, pour nous montrer ma lame. Nous avons beaucoup comme un Dieu. Mais je suis beau comme un Dieu. Donc tu es la seule personne à mon âme. C'est-à-dire, voilà. Voilà maintenant. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un peu comment on dit bah, provocation, bah, cri de guerre. Quand je dis beau comme un Dieu, voilà comment je joue. Je joue un peu avec les gens. En français, moi, je suis, j'habite en France. Hein. Je ne sais pas ici en Suisse si vous connaissez. Il y a une expression qui dit ça. Quand tu es sapé, on dit, il est sapé comme un dieu. Il travaille comme un dieu. Il est beau comme un dieu. Je n'ai pas inventé, cela existe déjà. Bizarrement, le fait que moi je le dis, les Congolais se disent, Adi se prend pour un dieu. Ah mon Dieu, voilà que je les ai ramené une expression qu'ils ignoraient. Je n'ai pas inventé ça. Mm-hmm. Cela existe. Allez-y, prenez votre micro, demandez aux Français, ils vous diront, beau comme un dieu existe. Il a le mets d'un dieu. Il n'agneau comme un dieu, ça se dit aussi. Il bé point 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 comme un dieu. Cela existe aussi. Voilà. Okay. Je n'ai rien inventé. Alors, vous, le gens qui croient, vous, les babo banza bonzambe, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? N'est-ce pas que je vous ai créé à mon image? Alors, je suis l'image de Dieu. Je suis beau comme un dieu. D'accord. Et ceux qui ont la créé, tous ces atouts. Non, après, bon, après, voilà, quoi. On se réfléchit, là-haut, bon, après, bon, bah, on a ça, là-haut, là-haut, là. D'accord. Je dis merci à Megan Megalove, Tembisila. Il n'est pas dans la titre. Megan Megalove, Tembisila. Vous avez la planète, vous avez la planète, vous avez la planète, vous avez la planète, vous avez la planète. Merci à Fifi Fleur de Lys, Talayo. Comment nous avons été fifure? Non, moi, Adi Londolé, comment vous en avez? Fifi, frère d'Elis. Comment vous en avez? Oui. Bah, vous en avez comme oui. Voilà, vous en avez fait un moyen. Kibonga yo. Je dis merci à. Je dis merci à Blaise Mbala, à Dieu, Dibenga, 5 ans de silence. Papi, capital, Papi, Idéberne, merci beaucoup. Abbé Baliport, dedans, dans, on a pu sur Motemingi, triple K, John Kaninda, Nabo Sanité, Yamado, Chaco.
Karine Zololo, Kito Kakongo, Diane Owasa, Ingrid Kabongo, la Sainte autorisée. Mon équipe, on a pu s'imboter, Norbo Sandini, Mami Miel Carla Bruni, on a pu s'imboter, Faisal Mokunzamba Imbondo, à notre fille Danea Imbondo, la fille à papa, Topé Simboté, Laurent Imbondo, Sophie Omombo Blatter. Madame Sophie Omombo, je dis merci et merci à Nas4TV et merci à vous, Yemoko, chef d'entreprise. Santos. Du Gira. Champagne et voilà, l'eau. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur le plateau des Dido Kamba. Dido Kamba. La piste Simboté, mon territoire. Lili Lema. Ouais, puisque moi, ma banga, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Nas4TV. Un réel plaisir pour moi, pour ma consoeur, de recevoir pour vous le célèbre journaliste beau comme un dieu. Voilà, j'espère que c'est pas la dernière fois. Il est de temps en temps avec nous. Désormais, suivez-nous sur Nas4TV en collaboration avec Adi Loba, Congo number one. Gros bisous à Nathalie Toto, Guy Toto, hein, Mireille Orsia, la victorieuse de Dimoni Palé, Rondelle, hein, Mona Batouya, Deji Kimbi, Fashion. Voilà, à très 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 bientôt. On vous love ensemble avec Megalove. Megalove, c'est moi, donc mes salutations à toute ma famille, la famille Kabasele, mon papa Billy Kabasele que j'aime beaucoup, à mon papa, mon deuxième papa Didier Imbondo que j'aime aussi énormément, à Santos du Jura qui me laisse pas, qui me donne des conseils, à tous mes amis, tous mes connaissances, tous mes amis de la presse que j'aime beaucoup, Eric Bercy Yahweh que j'aime beaucoup, Anelka Bafossette, Rihanna Domingo, la taille troublante, bah bisous à trop, ado yuweyu et bah ado, je vous fais tout plein de bisous et nous vous disons rendez-vous très prochainement sur Nas4TV du visionnaire Narcisse Kalamba Babyface. Ciao. Kéroïne Maïso. Ciao.